admirer ensemble. Vous bougez un petit peu là-bas dans le fond, hein, vous êtes là? Oui, ça dort pas, non, ça va. Et là-bas? Sur les chaises, là-bas. Et ici, devant? Ok, alors on va faire du bruit, car on a la chance d'avoir un groupe qui a été célébré par toutes les instances, les hautes instances du Bluegrass en 2005. Ils ont été élus meilleur groupe Bluegrass, puisque c'est de musique Bluegrass qu'il s'agit. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Leur album, un de leurs albums a été nommé Grammy Award, enfin pour les Grammy Awards en 2006. J'ai dû prendre des notes. Alors c'est un groupe incroyable, un groupe familial. Le père, la mère et les enfants, tous donc de la même famille, de 13 à 21 ans. Ils ont fait une entrée fracassante dans le monde du bluegrass. Rien que pour le look, ça vaut le déplacement. Vous allez voir, vous les avez peut-être déjà aperçus. Et donc ils seront là pour vous en exclusivité. Ils sont bookés partout, ils sont réservés partout. Demain matin, ils repartent immédiatement pour les États-Unis. Nous les avons en exclusivité européenne. On peut remercier à l'occasion Trisha Walker International qui nous a permis d'avoir cette formation exceptionnelle ici. Aussi, là, je compte vraiment sur vous pour les accueillir comme il se doit. Vous allez voir la très jolie banjoiste qui s'appelle Sia, qui a été élue meilleure banjoiste de l'année en 2006. Et ce n'est pas rien. Aussi, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Sherry House.